L'édition 2019 de notre Innovations Day était dédiée à l'usine digitale intelligente et aux machines adaptatives. Notre directeur général, Gilles Delalliot, a inauguré cette journée. Bonjour à tous. Nous avons alors présenté nos dernières innovations technologiques pour la réalisation des machines connectées et adaptatives qui préfigurent l'usine intelligente. Véritable œil de la machine, notre solution de vision intégrée est totalement synchronisée à l'automatisme. Nos systèmes ACOPOSTRAC et SuperTrack ouvrent la voie à la personnalisation de masse. Devant une salle comble, deux de nos clients ont partagé leur expérience. Thierry Daud de la société CERAC nous a expliqué comment lever les freins de l'industrie 4.0. On est en train de remettre à plat notre arborescence machine, comme on dit chez CERAC, car on s'adapte aux clients, on s'adapte aux besoins clients, et forcément les outils de BNR vont nous aider à nous adapter à ce besoin client. Quant à Mariatou Sagnabiaré de la société L'Oréal, elle nous a parlé de la transformation digitale des opérations au sein du groupe. Les solutions de BR que l'on a intégrées dans nos solutions 4.0, c'est leur produit Edge Controller pour transférer les données issues des machines et les transférer vers le cloud pour pouvoir piloter nos applications d'affichage temps réel et de chrono-analyse pour les lignes de conditionnement. Chez Thales, pour développer le Manuf 4.0, c'est comme ça qu'on l'appelle, on travaille d'abord sur tout ce qui est machine learning, la mise en place de l'automatisation d'une manière générale, mais surtout la petite automatisation, COBO et AGV. Et puis on travaille aujourd'hui sur les solutions de type MES. Au sein de Sidel, dès 2016, on a structuré nos activités autour de l'industrie 4.0 dans un programme qu'on appelle Agility 4.0. On intègre Bioner depuis plusieurs années en termes de composants et de plateformes automatisme, mais dans les développements récents pour répondre plus précisément à 4.0, on travaille beaucoup sur des développements avec l'ACOPOSTRAC. Stéphane Potier a conclu la journée avec une conférence sur OPCUA au niveau terrain avec TSN. À travers des ateliers, des conférences et une table ronde, les participants ont pu apprendre et comprendre comment BNR pouvait les accompagner dans la transformation digitale de leur outil de production.